Salut, c'est Antoine Dely. Alors aujourd'hui, je vais regarder mon deuxième blind. Pas le premier, parce que le premier, bon, il s'était pas retourné, donc on va rester sur une victoire quand même. Donc je vais regarder ça tout de suite. Un peu stressée quand même, surtout que c'est la deuxième fois et donc, mais bon, j'essaie de faire le vide et ça va aller. Oh mon Dieu, ma tête. Bien sûr, ce n'est pas la scène. J'ai quand même pas mal changé, hein, faut se le dire. Pas de quai, pas de rengaine. Qui se la manque et qui se traîne. Qui se la manque et qui se traîne. J'étais tellement stressée que je mélangeais mes syllabes, mes mots. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans. J'étais quand même assez stressée ce jour-là parce que le fait de refaire une deuxième fois des blinds en se disant que l'année d'avant ils ne s'étaient pas retournés, on n'a pas envie qu'ils ne se retournent pas une deuxième fois. Donc il y a une pression. Mais. Ah, ma famille. Ma mère, elle est toujours hyper stressée tout le temps, encore aujourd'hui d'ailleurs. Nous nous avons les matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. Là, j'étais en train de me dire, oula, ça se retourne pas. Je commençais à avoir de plus en plus la pression. Et pour la petite anecdote, bon, c'est la séquence un peu émotion, mais juste avant que Chimène se retourne, je me disais là c'est foutu, il n'y a personne qui va se retourner, bon tant pis, c'est pas grave. Et il y a mon grand-père qui était décédé plus ou moins un mois avant le tournage des Blind. Et là, j'ai regardé en l'air, j'ai pensé à lui. Et c'est pile à ce moment que Chimène s'est retournée. Et d'ailleurs, en buzzant, elle a fait un bisou vers le ciel et elle a buzzé. Je sais pas s'il y a un lien entre tout ça, mais pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Et là, je connais par cœur le moment précis. Chimène qui se retourne. Et puis Djali. Merci. Oh mon Dieu, j'y croyais pas. Hein. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Et c'était un moment dingue. Alors bizarrement, quand Chimène et Djali se sont retournés à la fin de la chanson, j'étais plus stressée que pendant la chanson, que pendant la prestation. Parce que pour moi, c'était plus stressant de parler que de chanter. T'as l'air un peu stressé, hein. Respire, c'est bon, la tille, là. Ah oui. Ouais, c'est bon, cool, Antoine. Mais moi, je tremblais, j'étais en panique. Ça fait bizarre de revoir ces images, n'empêche. Ce que j'aimerais garder de ce que j'ai fait, c'est la spontanéité. J'étais quand même arrivée en mode rien à perdre, vas-y, fonce et profite. Il y a vraiment un truc, c'est le look. Là, il y a vraiment du boulot, ça va pas du tout. J'ai l'impression que j'avais même pas repassé ma chemise avant de la mettre. Il y a rien qui va, la coupe de cheveux. À l'époque, je savais pas encore qui j'étais à 100% artistiquement, même personnellement. Le blind, c'était un moment important pour moi de l'aventure. Je trouve que c'est... Ben d'ailleurs, c'est aussi souvent l'étape que les gens retiennent le plus quand ils regardent The Voice, c'est souvent les blinds. Et c'est vrai qu'à vivre, c'est très particulier, c'est un stress particulier qu'on ne vit pas ailleurs. Donc pour moi, vraiment, le blind, ça reste quelque chose d'important, mais j'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui s'est passé par la suite. Et c'est ce qui est bien aussi dans cette émission, c'est de pouvoir voir évoluer les gens petit à petit. C'est drôle parce qu'on se dit, n'empêche, j'ai quand même bien changé. Hein. Mais en même temps, c'est hyper émouvant parce qu'on se dit que c'est là que tout a commencé finalement. Mmh.